On avait déjà parlé ensemble, Sophie Thalmann, de cet album de photos et aussi de rencontres avec différents métiers liés au cheval. Vous êtes une vraie passionnée. Le cheval mène à tout, ouais. Jusqu'au mariage. Tout à fait. Et... il est malin, le jockey, là, Christophe Soumillon, parce qu'il vous a dit « Ton cheval est trop loin de toi, viens le mettre à la maison ». C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Oui, enfin, en fait, la rencontre, c'était pas vraiment par rapport à mon cheval, c'était... parce qu'en fait, je devais participer à une course de cavalière au profit d'une œuvre caritative. Et Christophe a été mon entraîneur, on va dire. Alors, il y a une préface de PPDA dans ce bouquin, Patrick Poivre ouais. d'Arvor, qui écrit « Grâce à ce livre, Sophie Thalmann nous démontre avec élégance qu'après la femme, c'est le cheval qui est l'avenir de l'homme. » Est-ce que vous pensez que nous aurons un cheval président de la République prochainement? Parmi les métiers du cheval que vous faites découvrir, il y a des métiers, on gagne beaucoup d'argent. Hein, avec Maréchal Ferrand, ils se font des couilles en or. Hein. Oh non, ça dépend, ça dépend. Ouais. Alors, je connais un petit peu quand même oui. le milieu du cheval. Alors, je ouais. peux vous dire que Maréchal Ferrand, les types, c'est mieux que plombier. Hein. C'est vrai que nous, on a 7 chevaux à la maison et ça revient cher tous les mois. Ah, merci de le dire. C'est vrai. Mais et déboureur, j'ai pris ce métier au hasard. Qu'est-ce que fait un déboureur? Mais le déboureur, en fait, c'est la base. Non, je croyais que c'était en deux mots, parce que je me suis dit, déboureur, ah, belle profession, ça donne envie tout de suite. Que bah, fait un déboureur, c'est grâce à lui, en fait, si on a la chance de pouvoir être cavalier et monter sur un cheval, parce que c'est lui qui a cette première approche avec le cheval, qui va le dresser, qui va l'apprivoiser. Vous montez à cheval, Vincent? Très peu. Quoi, ça veut dire quoi, très peu? Pas. Ok, vous montez pas à cheval. Votre cheval, il s'appelle comment aujourd'hui? J'en ai plusieurs. J'ai Auteuil, mon fidèle compagnon. Ah, c'est le plus vieux, celui-ci? Ouais, c'est le plus vieux. Il a 18 ans. Il y a Smart, Lacy Joe. Ah, il est plus petit. Smart, c'est un quarter horse. Il y en a de très jolis partout, aussi. C'est pratique. Non, non, non. Il y a Smart, il y a Zara, Fiji, Halloween et Kouros. Non, mais c'est génial. C'est une belle écurie. Il faudra venir se balader avec nous. Bah alors écoutez, d'accord Laurent. Je n'ai pas encore vraiment. Je suis monté une fois dessus et j'ai eu très peur en fait. Mais il ne faut pas rester sur cette impression-là, justement. Vous croyez? Mais oui. Vous m'aiderez à monter? Avec plaisir. Sinon, on a des calèches aussi, si ça vous plaît d'être plus derrière. Et non, alors là, j'aurais peut-être l'air ridicule en calèche. Vous voyez, je vous dise. Vous avez un projet de conte pour enfants, c'est quoi ça? Depuis que j'ai connu la maternité, j'ai eu aussi cette envie d'écriture dans ce livre. Et j'aimerais beaucoup aussi trouver des petites histoires pour les enfants, pourquoi pas aussi sur le thème du cheval. Elle est venue te voir, le premier bébé, c'est une petite fille, hein? La petite fille, elle s'appelle oui. Charlie, mais c'est une petite Charlie, fille. Elle s'appelle Charlie, et déjà enceinte, je montais à cheval, et elle est déjà bien bercée dans... Et Mme de Fontenay, elle est venue la voir? Non, elle n'est pas venue la voir. Mais vous savez... Je viens pas souvent sur Paris avec. Mais pourquoi grand-mère n'est pas venue voir sa petite fille? Bah, je lui ai envoyé un faire-part, elle m'a gentiment répondu, mais. Ah, c'est déjà ça. Oui, bien sûr.